Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, on va faire quelques cas cliniques. Je reviens en arrière. Donc, on commence. Très bien. On commence. Le premier cas clinique. Une femme de 35 ans consulte pour asthénie évoluant depuis 5 mois. Dans ses antécédents, elle présente, elle a eu 6 grossesses, 6 parités. Le premier enfant est âgé de 8 ans, le dernier de 7 mois, opéré d'une hernie inguinale il y a 2 ans. L'examen clinique retrouve une pâleur cutanée aux muqueuses. Madame, il n'y a pas l'image. Pas de dispo. Vous ne voyez pas la diapo? Très bien. Donc, je reprends le cas clinique. Une femme de 35 ans consulte pour asthénie évoluant depuis 5 mois. Dans ses antécédents, elle a eu 6 grossesses, 6 parités. Non. Oui ou non, vous avez la diapo ou pas? Non, on n'a pas. Elle a eu 6 grossesses, 6 parités. Le premier enfant est âgé de 8 ans, le dernier 7 mois, opéré d'une hernie inguinale il y a 2 ans. L'examen clinique retrouve une pâleur cutanée aux muqueuses, les ongles plats, striés en cupule, une glossite. Elle se plaint d'une digestion lente. Non. Qu'est-ce qui va? Et maintenant, vous avez la diapo? Vous avez la diapo? Donc, je disais que l'examen clinique retrouve une pâleur cutanée aux muqueuses, les ongles plats, striés en cupule, une glossite.
la patiente se plaint d'une digestion lente et difficile. À l'hémogramme, on retrouve globules rouges 3,2, donc 3 200 000 éléments par millimètre cube, hémoglobine 7 grammes par décilitre, hématocrite 26%, globules blancs 5 000 éléments par millimètre cube et plaquettes 160 000 éléments par millimètre cube. Le frottis sanguin retrouve l'équilibre leucocytaire suivant, donc 65 polynucléaires neutrophiles 65%, 0% éosinophiles, 0% basophiles, 34% lymphocytes et 1% monocytes. Plaquettes estimées à 3 croix, anisocytes. Maintenant, vous m'entendez? Donc, je disais que l'hémogramme retrouve donc globules rouges 3 200 000 éléments par millimètre cube, 7 g d'hémoglobine, 26% d'hématocrite, globules blancs 5 000 éléments par millimètre cube, plaquettes 160 000 éléments par millimètre cube. Le frottis sanguin retrouve un équilibre leucocytaire 65% de PNN, éosinophile 0%, baso 0%, 34% de lymphocytes et 1% de monocytes. L'équilibre est fait sur 100%. Donc, plaquettes estimées à 3 croix, anisocytose à 3 croix, microcytose à 2 croix, macrocytose à 2 croix, hypochromie à 2 croix et PNN hypersegmenté. Donc, quelles sont, première question, interpréter ce bilan. Deuxièmement, quel diagnostic évoquez-vous et sur quels arguments? Troisièmement, quels sont les examens qui permettent de confirmer votre diagnostic? Quels sont les mécanismes ou quel est le mécanisme de cette anémie? Et quelle sera votre attitude thérapeutique? Donc, je vais vous donner quelques minutes pour réfléchir avant de vous donner les réponses. Et on va le faire ensemble, hein. Donc, si on reprend le cas clinique, donc c'est une femme âgée de 35 ans qui consulte pour asthénie évoluant depuis 5 mois. Elle a eu 6 grossesses, 6 parités et des enfants. Donc, le premier âgé de 8 ans et le dernier 7 mois. Elle présente à l'examen clinique une pâleur cutanée-muqueuse, des angles-plastes qui ont cupule, glossite. D'abord, avant d'interpréter l'hémogramme, on doit résumer le cas clinique. C'est une femme jeune qui se plaint. Donc, si on regroupe les signes, on va avoir une asthénie, une pâleur cutanée-muqueuse. Donc, c'est une évolution chronique, donc depuis 3-5 mois. Et les angles plastriés en cupule, une glossite, une digestion lente et difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme résumé? Donc, c'est une femme jeune qui présente un syndrome anémique qui est fait d'une asthénie, d'une pâleur cutanéo-muqueuse. Deuxièmement, elle a dans ses antécédents une intervention d'une hernie inguinale et grossesse multiple et à peu près qui sont rapprochées. Elle a les ongles plats striés en cupule, donc ce sont des signes de carence martiale. Vous avez également une digestion lente et une glossite, donc des signes digestifs.
pour l'interprétation de l'hémogramme, vous allez prendre lignée par lignée et faire l'interprétation. Puis, par la suite, vous allez faire le résumé de votre interprétation. Et à chaque interprétation, donc à chaque anomalie, vous allez ajouter un adjectif. Donc, on va commencer par la lignée rouge, puisque la patiente présente apparemment un syndrome anémique, donc une anémie. Globule rouge, 3 200 000 éléments par millimètre cube, c'est diminué. Hémoglobine, 7 grammes par décilitre, donc diminué. Il s'agit d'une anémie, donc la définition de l'anémie, elle est liée à la baisse de l'hémoglobine chez l'homme inférieur à 13 grammes par décilitre, chez la femme à 12 grammes par décilitre. Hématocrite, 26%, donc diminué selon l'âge et le sexe. Pour la lignée rouge, on n'a pas terminé parce qu'on n'a pas les autres paramètres. Donc, on n'a pas le volume globulaire moyen, qui sont les paramètres ou les indices érythrocytaires, le VGM et la CCMH. Donc, vous devez les calculer. Quand on vous donne comme ça un hémogramme, sans VGM et sans indice érythrocytaire, vous devez les calculer vous-même, donc en utilisant les équations du VGM et de la CCMH. Donc, il s'agit d'une anémie. Je ne sais pas si elle est microcytaire, hypochrome ou pas. Donc, vous allez calculer le VGM et la CCMH. Ensuite, je vais vous donner par la suite le résultat. Globule blanc, 5000 éléments par millimètre cube. Donc, la valeur, elle est normale. Elle est comprise entre 4000 et 10 000 éléments par millimètre cube. Plaquette de 150 000 éléments à 450 000 éléments. Donc, le taux, il est normal. Le frottis sanguin, il est donné en fonction, donc en pourcentage. Donc, ce sont des valeurs relatives qu'on ne doit jamais interpréter et qu'on doit les convertir en valeurs absolues pour pouvoir les interpréter. Donc, vous allez multiplier le pourcentage que vous avez trouvé. Donc, polynucléaire neutrophile multiplié par le nombre de globules blancs, 65% multiplié par 5000 divisé par 100 pour 100. C'est bon? Vous m'entendez? Donc, je disais que... très bien. Donc, je disais qu'au frottis sanguin, on a estimé le taux de plaquettes donc à 3 croix. C'est une appréciation semi-quantitative et à 3 croix, ça veut dire que le taux de plaquettes, il est normal. Une anisocytose à 3 croix, ça veut dire que vous avez une anomalie de taille des globules rouges. Et cette anomalie de taille, elle est représentée par la microcytose, la présence de microcytose et de macrocytose à part égale. Donc, une microcytose, ça veut dire que le globule rouge, il est diminué de taille. Macrocytose, vous avez d'autres globules rouges qui sont augmentés de taille. Une hypochromie, c'est une diminution de la coloration de globules rouges. On l'apprécie par la CCMH. Et vous avez des PNN hyper segmentés. Donc, pour l'interprétation, vous allez donner... je vais reprendre le cas. Donc, interpréter ce bilan, vous allez prendre lignée par lignée, vous l'interprétez, vous allez avoir le résultat
Par la suite, je vais vous donner toutes les réponses. Deuxièmement, quel diagnostic vous allez avoir? Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une anémie macrocytaire hypochrome avec un équilibre taux de globules blancs et de plaquettes qui sont normaux et un équilibre leucocytaire normal. Au frottis sanguin, vous allez avoir donc une double population parce que vous avez des globules rouges qui sont de petite taille et des globules rouges qui sont augmentés, donc augmentés de taille, une hypochromie et des PNN hypersegmentés. Donc ça, c'est l'interprétation du bilan. Quel diagnostic évoquez-vous sur quels arguments? Donc, si on reprend le cas clinique, quel est le diagnostic que vous allez avancer? Alors? Quel est le diagnostic que vous allez... On a su qu'il y avait une microcytose et une macrocytose. Oui, donc vous avez une double population, une microcytose et une macrocytose. Et c'est une femme de 35 ans chez qui on a trouvé une pâleur cutanée muqueuse, des ongles plastriés en cupule, une glossite et une digestion lente et difficile. Une évolution de 5 mois. Donc, quel est le diagnostic que vous allez... comment on a su qu'il y avait une microcytose, une macrocytose? C'est au frottis sanguin. Donc, au frottis, vous allez trouver une double population, donc des globules rouges qui sont de petite taille et des globules rouges qui sont de grande taille. Et au VGM, vous allez avoir une macrocytose qui n'est pas aussi importante. Pour dire qu'il s'agit vraiment d'une macrocytose franche ou d'une microcytose franche. Donc le diagnostic que vous allez évoquer, c'est quoi? Vous n'avez pas su. Donc, quel diagnostic évoquez-vous sur quels arguments? Le diagnostic qu'on doit... Alors, vous êtes là au moins? Non, d'accord. Non, ce n'est pas une anémie ferriprive seule. C'est une anémie ferriprive associée à une anémie par carence en folate. Et on parle d'anémie mixte. Anémie mixte. Association d'une anémie ferriprive et d'une anémie par carence en folate ou en acide folique ou en vitamine B9. Quels sont les arguments? Donc, si on reprend le cas clinique... Si on reprend le cas clinique, les arguments sont donc les signes de sidéropénie, les ongles plastriés en cupule. Vous avez d'abord le syndrome anémique, l'asthénie, la pâleur cutanée muqueuse, les ongles plats striés en cupule, donc qui font partie des signes de sidéropénie ou de carence en fer. Deuxième, un autre élément en faveur d'une anémie mixte, c'est la glossite et la digestion lente et difficile qui font partie des signes digestifs, surtout de l'anémie par carence l'anémie mégaloblastique. Troisième élément, c'est l'anémie qui n'est pas franchement macrocytaire ou franchement microcytaire, donc c'est une anémie avec une double population, une microcytose et une macrocytose. Donc, vous avez les deux et vous avez les PNN hypersegmentés qui sont en faveur d'une anémie mégaloblastique. Donc, vous avez sur le plan biologique une anémie légèrement macrocytaire hypochrome qui fait partie donc, du bilan de l'anémie ferriprive, une microcytose donc, en faveur d'une anémie ferriprive, une macrocytose en faveur d'une anémie mégaloblastique et vous avez les PNN hypersegmentés. Vous êtes là? Non. Donc, quels sont les examens qui permettent de confirmer
Donc, le diagnostic, je viens de dire qu'il s'agit d'une anémie mixte et les arguments en faveur de cette anémie mixte, c'est premièrement, vous avez donc anémie mixte parce que vous avez une anémie ferriprive et une anémie par carence en vitamine B9. Et les arguments sont la pâleur cutanée au muqueux, donc le syndrome anémique, les signes de sidéropénie, les signes digestifs, une anémie macrocytaire hypochrome avec une double population ou frottis sanguin et des PNN hypersegmentés. Donc, quels sont les examens qui permettent de confirmer votre diagnostic? Je viens donc de voir fer sérique, coefficient de saturation, TIBC ou capacité totale de fixation de la transférine, la ferritinémie, dosage des folates sériques et érythrocytaires et la vitamine B12, vous pouvez ne pas la faire. Hein, donc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme, quels sont les mécanismes de cette anémie? Très bien. Donc. Les mécanismes de l'anémie, il s'agit donc d'une femme de 35 ans et qui a eu beaucoup de grossesses, donc 6 grossesses, 6 parités avec des enfants, donc des grossesses qui sont rapprochées. Donc, le mécanisme, c'est l'augmentation des besoins ou accroissement des besoins. Quelle sera votre attitude thérapeutique? Comment vous allez traiter cette patiente? Comment vous allez la traiter? Donc, vous avez une anémie mixte et cette anémie mixte, elle est représentée par l'anémie ferriprive et l'anémie mégaloblastique par carence en vitamine B9. Non, pourquoi le gynéco? Supplémentation, par quoi? Vous allez la supplémenter par quoi? En fer, oui. Pendant combien de temps? Et... En quoi? Il ne faut pas oublier qu'elle a une carence en vitamine B9. Très bien. Donc, la supplémentation en fer, elle dure 6 mois et les folates, 2 mois. Très bien. Donc, je vais vous donner les réponses. Premièrement, pour l'interprétation, il s'agit donc d'une anémie normocytaire hypochrome à régénérative. Les lignées plaquettaires et macrocytaires, j'ai oublié... C'est macrocytaire, hein, c'est une faute de frappe. Donc, les lignées blanches et plaquettaires et l'équilibre leucocytaire sont normaux. Vous avez au frottis sanguin une double population érythrocytaire, une macrocytose et des PNN hypersegmentés. Ça, c'est pour l'interprétation de l'hémogramme. Bien sûr, vous allez calculer hein, donc, le VGM, la CCMH. Et le taux de réticulocyte que je n'ai pas donné. Donc, le diagnostic, il s'agit donc d'une anémie par carence mixte, martiale et foliprive. Foliprive, c'est par carence en vitamine B9. Les arguments, c'est la pâleur cutanée aux muqueuses. C'est bon. Pâleur cutanée aux muqueuses, troubles des fanères, les signes digestifs, grossesse multiple, rapprochée, et le bilan hématologique, donc anémie macrocytaire, hypochrome, à régénérative. Le bilan, donc le myélogramme qu'on a dû oublier. C'est vrai, j'ai pas donné le taux de réticulocyte, mais en général, c'est une anémie arogénérative. Hein, donc, le bilan, vous avez oublié la ponction de moelle, donc le myélogramme qui va mettre en évidence une anémie mégaloblastique associée à une anémie ferriprive. Le dosage des vitamines fer sérique, CTF, donc capacité totale de fixation de la transférine, coefficient de saturation, la ferritine et les folates sériques et érythrocytaires. À défaut, dans le cas où vous n'avez pas le dosage des vitamines, vous pouvez faire le test thérapeutique, donc vous allez donner du fer et des folates. Les mécanismes ou le mécanisme de cette anémie, c'est l'accroissement des besoins. Le traitement, vous allez donner du fer pendant 6 mois pour recharger les réserves et la foldine ou l'acide folique pendant 2 mois. C'est vrai, il n'y a pas le taux de réticulocyte, mais en général, dans l'anémie mégaloblastique ou dans l'anémie mixte en général, vous allez avoir un taux de réticulocyte bas, donc une anémie arogénérative. C'est bon pour le premier cas clinique. On passe au deuxième. Eh oh, très bien. Le deuxième cas clinique, donc il s'agit d'une femme âgée de 62 ans, hospitalisée pour anémie, dyspnée d'effort, asthénie. Elle présente une gêne à la marche avec sensation de marcher sur du coton.
un subictère conjonctival. L'alimentation est équilibrée, mais on note des brûlures au contact des mets épicés et un dégoût pour la viande. Pas d'intoxication alcoolo-tabagique. La langue est lisse et dépapillée, vernissée, donc avec un souffle systolique mésocardiaque. Si on ne voit pas, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le cas clinique? Il est partagé. Hein? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, la langue est lisse et dépapillée, vernissée, souffle systolique, mésocardiaque, déficit de la sensibilité au diapason des membres inférieurs. La formule numération sanguine retrouve donc un taux de globules rouges 3 200 000 éléments par millimètre cube ou 3,2 tétras par litre, c'est la même chose. Hémoglobine 9 grammes par décilitre, hématocrite 30%, VGM 125 microns cubes, taux de réticulocyte 35 000 éléments par millimètre cube, plaquettes 100 gigas par litre ou 100 000 éléments par millimètre cube, et globules blancs 3 200 éléments par millimètre cube. L'équilibre leucocytaire 40, 4, 0, 47, 9%. Donc 40 c'est PNN, éosinophilie 4%, éosinophile 4%, basophile 0%, lymphocyte 47% et monocyte 9%. PNN hypersegmenté, LDH élevé, hyperbilirubinémie libre. Donc, quels sont les éléments en faveur d'une carence en vitamine B12? Quel est l'examen indispensable et quel serait le résultat? À quelle étiologie pensez-vous? Quels sont les examens à demander pour confirmer le diagnostic? Quels sont les principes thérapeutiques? Et quels sont les risques évolutifs? Donc, vous avez quelques secondes pour répondre. Donc, on va commencer d'abord par les éléments en faveur d'une carence en vitamine B12. Très bien. Combiné de la moelle, très bien. Donc, si on reprend le cas clinique, les signes qui sont en faveur ou les éléments qui sont en faveur d'une carence en vitamine B12 en général, c'est le syndrome neuroanémique. La patiente présente une gêne à la marche avec une sensation de marcher sur du coton. Elle a, qu'est-ce qu'elle a aussi? Un déficit de la sensibilité au diapason des membres inférieurs. Donc, le syndrome neuroanémique avec trouble de la sensibilité profonde, c'est le syndrome pyramidal et chordonal postérieur. Qu'est-ce qu'on a comme autre élément en faveur d'une anémie ou d'une carence en vitamine B12? La carence en vitamine B12. Les troubles neurologiques, oui. Les troubles digestifs, pardon. Vous avez des brûlures au contact des mets épicés. On peut voir le cas? Oui. Donc, la langue, elle est lisse et dépapillée, vernissée. Un souffle systolique mésocardiaque. Qu'est-ce que vous avez comme élément? Donc, si on se résume, vous avez un syndrome anémique. Ce syndrome anémique est fait d'une asthénie, d'une dyspnée d'effort, une pâleur cutanée ou muqueuse. Donc, le site, pas. On le cite parce qu'il est commun. Oui, les syndromes, le tableau clinique de l'anémie mégaloblastique, qu'il soit par carence en vitamine B12 ou en vitamine B9, il est le même en dehors des troubles neurologiques, en dehors des troubles neurologiques qui sont spécifiques ou du syndrome neuroanémique qui est spécifique de la carence en vitamine B12. Donc, on fait rapidement parce qu'il ne reste pas de temps, beaucoup de temps. D'abord, on a dit quels sont les éléments en faveur d'une carence en vitamine B12. Vous avez le syndrome neuroanémique avec trouble de la sensibilité profonde, syndrome pyramidal et chordonal postérieur. Vous avez également une alimentation normale qui n'est pas carentielle, donc ce n'est pas une carence d'apport. Et on n'a pas d'intoxication alcoolo-tabagique ou alcoolique.
Ça, c'est le premier point. Quel est l'examen indispensable et quel serait le résultat? Qu'est-ce que vous allez faire comme examen? Donc, l'examen que vous allez indiquer, c'est quoi? Avant de passer au dosage de la vitamine B12, donc l'examen indispensable, c'est la ponction de moelle, le médullogramme qui va montrer un aspect bleu, une mégaloblastose, un gigantisme cellulaire. Très bien, myélogramme. À quelle étiologie pensez-vous? Et quels sont les examens à demander pour confirmer le diagnostic? Vous avez donc une anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12, mais quelle est la cause ou l'étiologie de cette carence en vitamine B12? Alors, faites rapidement. C'est un défaut d'absorption, mais quelle est l'étiologie? Le défaut d'absorption, c'est un mécanisme. Mais l'étiologie de ce défaut d'absorption, c'est quoi? Non, elle n'est pas opérée. Non, elle n'est pas opérée. Ce n'est pas le premier cas clinique. Défaut d'absorption. Donc, c'est une patiente qui présente une anémie de Birmer. Anémie de Birmer. À quelle étiologie pensez-vous? Donc, c'est l'étiologie, c'est l'anémie de Birmer. C'est une anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12. Et l'étiologie à laquelle on doit penser, c'est l'anémie de Birmer. Parce que vous avez l'âge. Vous avez, donc c'est une femme donc de sexe féminin et vous avez le syndrome neuroanémique, les troubles digestifs. Très bien. Donc, quels sont les examens à demander pour confirmer le diagnostic de l'anémie de Birmer? Donc, les examens pour lesquels il faut demander... Avant l'endoscopie, donc, vous allez demander le dosage de la vitamine B12 et des folates, la fibroscopie œsogastro-duodénale avec une biopsie et la recherche d'anticorps, anticorps antifacteurs intrinsèques qui sont présents dans 50% des cas et les anticorps anti-cellules pariétales de l'estomac qui sont présents dans 90% des cas. Il faut également rechercher des anticorps demander des anticorps à la recherche d'une maladie auto-immune parce que l'anémie de Birmer, elle s'intègre dans le cadre des maladies auto-immunes. Quels sont les principes thérapeutiques? Donc, vous allez donner de la vitamine B12, une ampoule par jour pendant 10 jours pour remplir les réserves, puis faire un traitement d'entretien par une injection tous les mois à vie parce qu'on n'a pas de facteur intrinsèque. Deuxièmement, dans le cas de cette anémie mégaloblastique, vous allez donner un traitement martial au début. Pourquoi? Pour prévenir la carence par en fer qui va être démasqué par une relance médullaire. Et quels sont les risques évolutifs de cette maladie? Les risques évolutifs. Très bien. D'abord, la rechute par rupture de traitement. Et deuxièmement, le risque de cancer gastrique, d'où l'intérêt d'une surveillance par fibroscopie œsogastro-duodénale tous les 2 ans et faire une biopsie gastrique F-indique à la recherche d'un cancer. Donc, voici les réponses. La première réponse, quels sont les éléments en faveur d'une carence en vitamine B12? Syndrome neuroanémique avec trouble de la sensibilité profonde, une alimentation normale non carentielle et pas d'intoxication alcoolo-tabagique. Deuxième réponse, quels sont les éléments? Donc, quel est l'examen indispensable et quel serait le résultat? C'est le myélogramme ou la ponction de moelle qui va montrer un aspect de moelle bleue, nombreux mégaloblastes, un asynchronisme nucléocytoplasmique, une macrocytose secondaire à une érythropoèse inefficace contrastant avec des rétiques bas,
une diminution des mitoses et gigantisme des autres précurseurs. La réponse 3, à quelle étiologie pensez-vous? Donc, c'est la maladie de Birmer. Les examens qu'on doit réaliser pour confirmer le diagnostic de la maladie de Birmer, c'est le dosage des vitamines B9 sériques et érythrocytaires et vitamine B12, la fibroscopie oso-gastro-duodénale plus la biopsie, recherche d'anticorps antifacteurs intrinsèques, anticorps anticellules pariétales de l'estomac et la recherche d'une maladie auto-immune. La réponse 4, les principes thérapeutiques. Donc, vous allez donner de la vitamine B12 une injection par jour pendant 10 jours pour remplir les réserves. Il faut prévenir le patient, une fois que vous avez prescrit la vitamine B12, prévenir le patient qu'il va y avoir une coloration orangée des urines. Ce sont les effets secondaires de la vitamine B12. Et il peut y avoir un choc anaphylactique, mais c'est très rare. Puis, faire un traitement d'entretien à vie, une ampoule par mois. Je viens de, donc, comme nota bene, il faut indiquer un traitement martial au début quand vous allez donner de la vitamine B12 pour prévenir une carence en fer qui va être démasquée par une relance médulaire, donc par une activité médulaire. Et la dernière question, donc, quels sont les risques évolutifs de la maladie? Rechute par rupture du traitement et vous avez le risque de cancer gastrique, donc d'où l'intérêt d'une surveillance par fibroscopie oesogastro-duodénale tous les 2 ans. Donc, il faut faire une biopsie gastrique et une biopsie fendique. C'est bon pour le cas clinique? On va voir par la suite, ça c'est notre cas clinique, c'est la deuxième séance. Vous n'avez pas de questions? Pas de questions? Pour l'interprétation de l'hémogramme, qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat? Comment vous allez l'interpréter? Est-ce qu'on a un peu de temps? Comment vous allez interpréter l'hémogramme? Si on vous a donné à interpréter cet hémogramme, donc le globule rouge 3 200 000, le VGM est comment? Alors, le premier cas clinique, le VGM, il est... j'ai oublié combien, donc je vais revenir en arrière. Donc, vous avez un taux de globules rouges à 3 millions, hémoglobine à 7 grammes par décilitre. Je vais calculer le VGM, je ne l'ai pas calculé. Donc, 3. Le VGM, il est à 81. VGM, il est à 81. Donc, il s'agit d'une normocytose. Anémie normocytaire hypochrome. Anémie normocytaire hypochrome, parce que le VGM il est compris entre 80 et 100 femtolitres, mais vous avez au frottis sanguin, vous avez une double population, microcytose et macrocytose. Donc, c'est normal.